Quelque chose que la Smith va rendre bien, quoi. Voilà. Allô? Oui, c'est bon. Allô? Le rythme.
أجيبها تسمع تا عندنا فوني ديال الو الو سب دابا كيفاش غادي ندير الكاميرا ونرجع عاود نوقف ملي مبين بلا ما نبقى الكاميرا تكون جوج ديفيزيون ولكن التليفون اش كتشوف دابا بغيتو يشوف لي الكاميرا يلا اكتيف الكاميرا رجعت هذيك شنو كتشوف؟ لا هذه في الفلوق على الفلوق على صح شنو كتشوفوا عندكم في التليفونات دابا؟ كيبان لكم الفيديو ديالنا ياك؟ سي بون تقدر تكليكي عليه؟ كليكي عليه والكوب فين هو؟ شوفوا الكوب غنقول لكم شوفوا الكوب غتكبروه وملي تجيو الكاميرا صافي بارك الله فيك خير بيان صافي alors la dernière séance j'avais introduit le chapitre et je vais le refaire de nouveau comment il s'appelle cette matière qu'on a quel est l'intitulé de cette matière ce smita vous me répondez. C'est ça l'avantage d'avoir des étudiants. Alors, comment il s'appelle cette matière? Souci de la matière? Échantillonnage. Estimation, échantillonnage et estimation. Qu'est-ce qui m'intéresse, moi? C'est le mot échantillonnage. Dans le mot échantillonnage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mot échantillon. Ce mot, je l'ai étudié quand? En quelle matière? Je l'ai étudié en statistique descriptive. D'accord? Je ne sais pas quelle science la première ou la deuxième, j'avais tracé un axe de temps pour vous dire quelle est la relation entre la statistique descriptive et les probabilités. Ce ne sont pas deux disciplines indépendantes. Les probas, c'est la suite dans le temps de la statistique descriptive. Moi, j'ai à la maison un parasol et un parapluie. Ils se ressemblent. Mais chacun a une utilisation différente. Chaque outil sera utilisé dans une situation bien déterminée. Lorsqu'il pleut, on n'utilise pas le parasol. Quand c'est un eau, le parapluie. Et le concept, ça va exact pour le parasol. C'est-à-dire, parasol et parapluie, statistique et probabilité. Et je vais vous montrer en quoi ils se ressemblent. Seulement, la question qu'il faut se poser, c'est pas, il ne faut pas apprendre uniquement à utiliser le parasol et le parapluie, l'ouvrir et le fermer, faire des exercices. Non, mais savoir comment l'utiliser. Une fois, il pleuvait et je ne savais pas que je devais utiliser le parapluie. J'ai utilisé le parasol. Ça n'a aucun sens. Parce que la différence, c'est le tissu. J'étais trompé. Oui ou non?
Donc, l'usage de la mauvaise formule peut vous causer des problèmes. Farsi, je dois savoir qu'est-ce que je dois utiliser. Je ne sais pas faire des exercices. Il ne suffit pas d'ouvrir et de fermer le parapluie ou le parasol, mais de savoir quand utiliser ce produit et pas l'autre. Et là, les statistiques d'exercice, vous pouvez. Moi, je sais calculer la moyenne et je sais que les étudiants savent calculer la moyenne. X par égal à sigma de x divisé par. Waouh, les calculs, ils les font. Mais quand utiliser ça ou les utiliser ça, E de x bar, ce qu'on appelle l'espérance, précisément, l'espérance mathématique. Qu'est-ce que c'est que l'espérance mathématique? On va voir ça tout de suite. Enfin, le parasol et le parapluie, statistique descriptive, on l'utilise lorsqu'il pleut. Statistique descriptive, on l'utilise lorsqu'il s'agit du passé de l'entreprise. Parapluie, lorsqu'il pleut. Le parasol, la probabilité, on l'utilise lorsqu'on veut parler du futur de l'entreprise. On a deux disciplines. Est-ce que l'exemple du parasol parapluie est clair par rapport à ma statistique et à ma probabilité? Est-ce que la probabilité est une discipline différente de la statistique descriptive? Non, c'est la même chose. La probabilité, c'est la suite dans le temps de la statistique descriptive. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné à vos camarades la dernière fois. Mais les autres, vous ne savez pas s'ils m'écoutaient. Mais maintenant, qui se meurt? Alors, l'exemple est le suivant. Faites attention, très attention à cet exemple. Il y a moi, une personne. Moi, j'ai deux caractéristiques que personne n'a. Ou chacun d'entre nous a les mêmes caractéristiques, mais différentes, pour les caractériser. Moi, quelle est la première des choses qui me caractérise? C'est le numéro de la carte nationale. Un ICNDL. Ou le numéro du ICNDL ou 01. Deuxième caractéristique, il y a le passeport, numéro de passeport. Numéro de passeport, il y a le 02. Qu'est-ce que c'est? Allô? Ah, qui est là? Allô? Allô? Ah, qui est là? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, il y a moi, il y a moi comme personne qui est caractérisé par deux choses. Le code de la carte nationale et le numéro de passeport. Allez, la carte nationale fait un numéro 1, le passeport fait un numéro 2. Si vous sortez dans la rue et vous trouvez quelqu'un avec une carte nationale numéro 1 et un numéro de passeport numéro 2, ce sera qui cette personne? Ce que vous avez dit. Bravo. Oui ou non? Ça doit être moi. C'est ce qu'on appelle en maths la question de l'unicité. L'unicité de l'élément neutre, c'est unique. Il n'y a que moi qui a ça. Si vous sortez, vous prenez un Marocain et vous trouvez que son numéro de carte nationale est 1 et son numéro de passeport 2, automatiquement et obligatoirement, il doit s'appeler Dan, ma fille H. Oui ou non? Parce que ce sont les propriétés de cette personne-là. Voilà, ça fait. Imagine, là. Mademoiselle. Moi, j'ai mon passé qui est décrit par mon père. Qu'est-ce que tu en as pour mon père? Je suis son fils, qui commence par être, telle fréquence. Ou a dit mon futur, Inch'Allah, un jour, je vois bien ouldi. Et je serai quoi pour lui? Père. Comme probabilité. Est-ce que moi, le fils de mon père, et moi, le père de mon fils, nous sommes deux personnes différentes. Je vous dis. Je suis le fils de mon père. Et je suis le père d'eux. Et je suis la même personne. Je m'appelle différemment selon le contexte dans lequel je me trouve. Lorsque vous voulez me parler par rapport à mon père, qu'est-ce qu'on a? C'est le fils de... Et c'est moi, avec ses caractéristiques. Et lorsque vous voulez parler de mon fils, ou de moi, par rapport à mon fils, c'est le père d'Yel Hedek. Oui? Mais si vous connaissez le père de mon fils, quel est le numéro de la carte nationale d'Yel? Hein? Et quel est le numéro de mon passeport? Moi, je suis le père. Et quand je suis le fils de mon père, quel est mon numéro de carte nationale? C'est 1. Et le passeport?
Donc, FFP, c'est la même personne. Très bien. Alors, on va parler de statistiques. En statistique, j'ai dit quelque chose qu'on appelle fréquence. Première caractéristique de la fréquence, sa carte nationale, c'est que la fréquence, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Ou la probabilité combinée, 0 et 1. Un de même numéro de carte nationale. Deuxième propriété. À quoi est égale la somme des fréquences? Qu'est-ce que vous? La somme des fréquences égale à combien? Je vous dis maintenant. La somme des fréquences égale à combien? Alors, quel est le chiffre statistique descriptif? La somme des fréquences. La somme des fréquences est toujours égale à 1. Ou la somme des probabilités, chaque série, c'est égal à 1. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui a les mêmes propriétés, ça veut dire que ce quelqu'un est la même personne. Donc, fréquence et probabilité, c'est le même phénomène. Ils changent de nom selon le contexte. Bah, il y a un. Si je suis le fils, quand il s'agit de mon père, du passé. Si je suis le père, quand il s'agit du futur. Et moi, je suis toujours moi. Enfin, fréquence et probabilité, c'est le même concept mathématique. Pourquoi il a deux noms différents? Il porte le nom de fréquence lorsque je l'utilise dans le passé de l'entreprise et je l'appelle probabilité lorsqu'il s'agit. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? La moyenne. La moyenne, on l'appelle moyenne, et c'est ça sa formule lorsqu'il s'agit de statistiques descriptives. La probabilité, la moyenne, il s'appelle espérance mathématique. C'est la même formule. L'espérance mathématique, c'est sigma de PI, XI. Or, ça c'est ça. À quoi est égal X bar? X bar est égal à sigma de NI, XI, sur sigma de NI. Sigma de NI, c'est N. Effectif total. Si je fais rentrer le N à l'intérieur, ce sera égal à sigma de NI sur grand N, XI. Ou non? Qu'est-ce que c'est que NI sur grand N? C'est la définition de la fréquence. Donc X bar est égal à sigma de FI, XI. Conjuguer, écoutez le verbe, conjuguer cette formule dans le futur, X bar, ce sera E de X, est égal à sigma FI dans le futur, 4KPI, ou ici, 4KXI. Donc, E de X, c'est la traduction de X bar dans le futur. C'est la même formule. C'est ou pas clair? Donc, l'étudiant doit savoir que ce que j'ai appris en statistique, j'ai repris en probabilité. Ce sont les mêmes formules, seulement traduites dans le futur. Clair ou pas clair? De la variance, quand il y a écart type, c'est un écart type, c'est la même. Alors moi, ma matière échantillonnage, je vais utiliser les deux disciplines. Pourquoi je fais ce rappel? Ça, c'est les prérequis. Vous comprenez ou là? Marine Devana, chef, ou je ne sais pas parler une langue. Bah, avant de parler de la poésie, il faut maîtriser la langue. Donc avant de maîtriser l'échantillonnage, je dois d'abord maîtriser ce que c'est que statistique descriptive et probabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux disciplines? Alors, on trouve l'échantillonnage. Enfin, échantillonnage, comme on trouve, échantillonnage est fait d'abord du mot échantillon. Échantillon que j'ai étudié en statistique descriptive. Donc, je dois comprendre qu'est-ce que c'est qu'échantillon pour parler de l'échantillonnage. Ça va? Maintenant, j'ai un problème. Le problème est le suivant. En statistique descriptive, qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié d'abord la population. Après la population, nous avons étudié l'individu. Et après l'individu, nous avons étudié l'échantillon. Oui ou non? La population, en statistique, c'est pas le sens littéral du terme. Le sens littéral de population, c'est rassemblement d'êtres humains. Une population d'êtres humains. En statistique, le mot population a un sens beaucoup plus large. Ça peut être des êtres humains, ça peut être des animaux, ça peut être des objets, ça peut être des choses abstraites. C'est l'ensemble sur lequel va porter l'étude. Si moi, j'ai une entreprise qui fabrique des ampoules, la population sera l'ensemble des ampoules. Ce n'est pas des êtres humains. Si je vais étudier des vaches pour voir est-ce qu'ils sont atteints de la maladie de la vache folle, la population, c'est les vaches. Je peux étudier des ordinateurs. La population, c'est un ordinateur. Vous savez? Bien. Donc, la population en statistique descriptive a un sens beaucoup plus large que le sens littéral.
Qu'est-ce que c'est que l'individu? L'individu, c'est un élément de la population. Alors, si la population, c'est des ampoules, l'individu, c'est une ampoule. Si la population, c'est des étudiants, l'individu, c'est un étudiant. Si la population, c'est des tables, alors, on dirait qu'il y a toutes des tables. Et on veut étudier les tables, la qualité de l'homme. Ben, un individu, c'est une table. Est-ce que ceci est clair ou pas clair? Mais bien, nous avons vu ce que c'était un échantillon. Qu'est-ce que c'est qu'un échantillon? C'est un sous-ensemble de la population. Oui? Oui. Question. اخويا كله ماشي اللي عطيني الكليه بالطبع بحال اللي انا عندي ما عرفتش اللي عندي وفين هي زمري انا ما عنديش تليفون هذا لاباري ديال الدوله لورديناتور ديالي ها هو vous comprenez ce que je dis ou pas pas que j'essaie il a eu à terre Ouais, allez, je termine mon cours. Qui se meurt? Kachas, il, au moins, il s'assoit l'idara et qu'on l'homme rahash wa ka'anna. Anna, anna, oussel. Je travaille avec le matériel de la fac. Moi, ici, j'ai bien le matériel. L'ordinateur, il y a wataf. Avec là, on voit les ordinateurs. Ah, on m'a attendu à ordinateur. Normalement, anna, anna, ma chérie, tout, ma, d'abord, wesh, n'kemmel le cours, qu'est-ce que je fais? خليني نكمل الكور ديالي اه هذه لونجيسترومون خدام اه اوكي لونجيسترومون ابخي غادي يبان لهم ولكن انا كنشوف راسي
Allô? Allô? Sauf ce qu'il se met là. Sinon, une vidéo. Caméra qui est là? À partager de la partager. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire battre la caméra, je suis là. La blague. J'ai dit, ça fait, là, tu arrêtes. Non, Rabat, j'ai tué Rabat. Non, elle est le cerveau. Oui, Baraka. Non, elle est le cerveau. Ça fait, خلي قاتك. Ouah, ça fait. Alors, je vous souviens de la Kylian, ça va? Ça va. C'est bon? Ouais. C'est bon. Alors, je continue. Donc, l'idée à retenir est la suivante. C'est que statistique, c'est une discipline que j'utilise pour décrire l'état de santé qui vient du passé de l'entreprise. La probabilité, c'est pour étudier le futur de l'entreprise. Maintenant, comment je vais faire ça? On a en statistique, nous avons appris ce que c'était la population et aussi l'échantillon. Ça veut dire que des fois, je peux travailler sur la population comme je peux travailler sur l'échantillon. La question qui se pose, c'est quand est-ce que j'ai utilisé encore le parapluie, quand est-ce que j'ai utilisé le parasol, quand est-ce que je dois travailler sur toute la population et quand est-ce que je peux me contenter de travailler uniquement sur l'échantillon. Ça, c'est la question qu'on se pose. Lorsqu'on travaille sur toute la population, l'opération s'appelle une opération de recensement. Et ça. Et lorsque vous travaillez sur un échantillon, c'est une enquête. Ils sont en train de faire une enquête. Ayo, vous avez un sondage. Avec le matériel, il est défaillant. On va dire que si il a la radio qu'on a le doyen, ou la prochaine fois, il a manqué jusqu'à 15 jours, il va. Je ne veux voir personne, je commence à 1h30, à 1h30. Sinon, on va dire que ça. Ah oui? Que si on a un carré, qui va aller. Ça va être un carré comme ça, mon carré. Ça va être un carré. L'idée est claire, hein? Lorsqu'on travaille sur l'échantillon, on effectue en tête son test. Alors, pourquoi des fois on fait des recensements, c'est pourquoi des fois on fait des enquêtes. Et quelle est la différence entre les deux? Un recensement, ses caractéristiques, c'est qu'il est coûteux. C'est cher. Et ça demande du temps. Alors qu'une enquête, c'est moins cher, et ça demande moins de temps. Il y a deux inconvénients, deux avantages. D'abord, c'est que elle est précise. Vous travaillez sur toute la population. Donc, les informations que vous allez dégager vont être très précises. Et lorsque vous travaillez sur un échantillon, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent, mais vous perdez en précision. Donc, on perd en précision. Mais est-ce que nous avons toujours besoin de la précision?
Réponse non. Je vous donne des exemples. Marie Chariot Ville. Vous avez une idée du prix via la ville. En quoi comme ça a dit tout ça. Alors, je ne veux pas vous dire exactement c'est combien, en quoi comme une fourchette. Elle a dit moins de 20 000 dirhams. Stop. Donc, même en donnant une information vague, c'est moins de 20 000 dirhams. Mais à ce moment-là, je l'ai dit. Moi, je dis parce que le vague information, je peux dire, il ne peut pas acheter la ville. Il y a la ville là, peut-être. Est-ce que vous avez compris l'idée ou pas? Vous n'avez pas besoin de me poser la question, monsieur, vous avez exactement combien d'argent? Vraiment, pour le canal, un 10 000 ou le 15 000. Après, c'est grave, un intervalle. Intervalle. Et grâce à cet intervalle, vous avez pu savoir que je peux pas acheter une ville. Elle a un 10 000 aussi moins de 20 000 dirhams. Elle a un 10 000 moins de 300 000 dirhams. 300 000 dirhams. Quand les rois, tu peux pas acheter une ville là, parce que là, tu as un logement économique. Je prends combien d'argent? Avec un intervalle. Avec l'intervalle, c'est ce qu'on va appeler par la suite intervalle de confiance. En statistique, en échantillonnage, on ne va plus travailler avec une valeur. Mais on va travailler avec un intervalle qui va contenir avec la valeur, avec une certaine probabilité. Alors, enfin, échantillonnage, j'utilise et la statistique descriptive et la probabilité. Notre travail à nous, ce sera de gagner du temps, de l'argent, mais être moins précis. Si vous avez du temps et de l'argent, ben vous faites un recensement. Un recensement. Parlons du recensement d'un État. Je vous m'arrête maintenant. Je pense que quelqu'un demande ça. Quand est-ce qu'on fait un recensement au Maroc? Allez, c'est combien de temps on effectue des recensements? Au Maroc, la politique marocaine, c'est d'effectuer des recensements chaque 10 ans. Le dernier recensement a été fait quand est-ce? En 2014. Mais maintenant, c'était combien? 2004. Celui qui va venir, ce sera en 2024. La dernière fois, j'avais donné un exemple à mon camarade, mais peut-être qu'ils n'ont pas entendu, je vais le répéter. J'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu manger, j'ai un yaourt. J'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai trouvé le yaourt. Mais je n'ai pas pu le consommer. Parce qu'il était périmé. Vous comprenez ce que je dis ou pas? La date de péremption était dépassée. Donc, je n'ai pas pu le manger. On a fini l'IAOPDL. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû aller acheter un autre. La même chose statistique. Les statistiques, c'est comme les aliments. Après un certain temps, ils sont périmés. Seulement, il y a un recensement sur chaque 10 ans. Donc, 2014, j'ai remis un truc, ils ont commencé à taper à vos portes. Salam alaikum, vous êtes combien, kada, la date de naissance, le nombre de chambres, beaucoup de questions. Et on a vu et su quelle était la situation du Maroc en 2014. Avec les informations, ils vont rester valables 10 ans. Lorsqu'on arrive à 2024, les informations sont encore là. C'est comme le yaourt tout à l'heure dans le réfrigérateur. Mais je ne peux plus utiliser avec les données. Je ne peux pas manger avec le yaourt parce qu'il est périmé. Donc le Maroc va devoir faire encore un autre recensement. Alors, exactly. Oh là, mais qui veut le moins là? Oui. Problème de sang, cette année. It's man. Ben voilà. On a changé de sang, on a changé d'équipement, plus que ça, je ne peux pas faire. Bref, vous avez compris ce que j'ai dit. Hein? Ah, on voit que tu me mens. Je suis handicapé. Hein? Ah, même chose.
Allez, 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 vas-y. Alors, vite, alors ça, tout ce que tu m'en dis là, qui te met? Ouais, vas-y. Ben, bon. Bien. Je veux partager avec vous. Partager quoi? Partager? Qu'est-ce qu'on va partager? D'ailleurs. Partager le webcam, partager les fichiers. Oui. Alors, partager les fichiers, finalement, avec les fichiers, dans le bureau. Alors, maintenant, vous allez me dire ce que vous êtes en train de voir. الصوت كيمشي صوت عاد طيب حاجه على كتبت الصوت كيمشي بيان لون جاتون لاباريسيون ديال لو كور لون جو با زومي لو طابلو ما عندناش هاد لا بوسيبيليتي كيف لكم لوكو ولا والو دونك كيفاش غندير لو جو تيليشارجي بارتاجي بارتاجي مثلا دابا وي صافي واحد ها المهم الكور كيبان دابا سيروا الكور صافي تبي الوغ علي او كور ستاتيك انفيرونسيال هادي وي فوالا اون كومونس الوغ شاك ديسيبلين دموزيل دموزيل الو شاك ديسيبلين عندها سون فوكابولير comme on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, en statistique descriptive, on a défini ce que c'est que la population. Ce n'est pas le sens littéral, c'est beaucoup plus vaste. En statistique descriptive aussi, nous avons étudié les paramètres. Alors, en statistique descriptive, nous avons parlé des paramètres, auxquels nous, deux types de paramètres. Il y a les paramètres de tendance centrale, et il y a des paramètres de dispersion. Donc, il y a deux types de paramètres, dispersion. Les paramètres de tendance centrale, c'était quoi? C'était le mode, les trois M, le mode, médiane et moyenne. Alors que les paramètres de dispersion, c'était l'étendue, l'écart absolu moyen, les quartiles, l'intervalle interquartile, l'écart type, la variance. Donc, allez. Les paramètres de dispersion. Donc, en statistique descriptive, lorsque je dis paramètres, je dois distinguer est-ce que je parle de paramètres de tendance centrale ou bien de paramètres de dispersion. Par contre, en échantillonnage, non. En échantillonnage, lorsque je dis paramètres, regardez sur mon cours, disais qu'est-ce que c'est paramètres? On appelle paramètres sous l'eau. On appelle paramètres. Non, toute mesure calculée à
partir de l'ensemble des données de la population. Donc, dans cette matière, lorsque moi je vais mettre des paramètres, vous n'allez pas me poser la question, monsieur, paramètre, est-ce que c'est un paramètre de dispersion ou la paramètre de tombe dans son trait? Si j'en ai. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Que ce que je vais calculer a été calculé sur la population. Clair? Donc, chez lui maintenant, en échantillonnage, quand on va parler de paramètres, ça veut dire que la formule a été calculée au niveau de la population. J'ai calculé la moyenne sur la population. Ben, la moyenne, ça s'appelle un paramètre. Ou la moyenne, c'est un paramètre de tendance centrale. J'ai calculé la variance. Mais je l'ai fait sur la population. Comment on appelle variance? Paramètre. Maintenant, je vais calculer la moyenne sur l'échantillon. Ça ne va pas passer par là. Ça va passer comment? Là. Définition 2. On appelle toute mesure calculée à partir des données. On se ferme tout d'abord. Alors, chaque formule, chaque comment dirais-je, chaque concept qui a été calculé sur la population, on va l'appeler comment? Paramètre. Le même, si ça a été calculé sur l'échantillon, je vais l'appeler comment? Statistique. Enfin, statistique, elle a deux sens. Quelle statistique? C'est la matière, il y a des formules, hein? Ou quelle statistique elle a en échantillonnage? C'est uniquement une valeur que j'ai calculée sur l'échantillon. Clair? C'est en arabe, c'est la poésie arabe, qui est le bid de chair, qui est cool. Oralement, il y a une autre chose qui fait un darbi les moqués. Pas tout darbi. Fait un darbi les moqués. Darbu nawaqisi, un darbu nawaqisi. Qu'est-ce que vous avez dit? Explication. La même chose en français. En français, quand vous l'avez dit, allez, je l'ai fait le dictant en cours de mathématiques financières. Donc, en français, on nous a appris le dictant suivant. Je connais, connais. C'est bien, je vous l'ai dit. Je connais, connais. C'est pour dire que vous entendez la même chose, mais ça n'a pas le même sens. C'est la même chose pour paramètre. J'entends paramètre là ou paramètre vert, et il n'a pas le même sens. J'entends statistique. Alors, lorsque quelqu'un me dit connais, je ne sais pas est-ce qu'il parle d'un verbe ou bien d'un prénom. Lorsque quelqu'un me dit « statistique », je me demande de quoi vous parlez. Est-ce que vous parlez de la matière ou bien de quelque chose qui a été calculé sur l'échantillon? Est-ce que ceci est clair ou pas clair? Donc, cette année, lorsque je vais dire « paramètre », ça veut dire que c'est quelque chose qui a été calculé sur la population. Et quand je vais dire « statistique », ce n'est pas la matière qu'on a étudiée en S1, mais c'est le paramètre, mais cette fois-ci, il a été calculé sur l'échantillon. Qu'est-ce que c'est? On appelle estimation. Alors, on appelle estimation d'un paramètre le procédé par lequel on cherche à déterminer la valeur d'un paramètre d'une population. Le mot estimateur. On appelle estimateur la statistique utilisée pour effectuer l'estimation. C'est une variable aléatoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un estimateur? Un estimateur, c'est une variable aléatoire. Et qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? Variable aléatoire, quand est-ce que vous allez utiliser variable aléatoire? Quel cours? Probabilité. C'est. Enfin, en probabilité, en probabilité, on appelle variable aléatoire. Familiariser avec le vocabulaire là. Vous comprenez? Qu'est-ce que, de quoi nous sommes en train de parler? Dans quel contexte? Et on appelle valeur estimée, je vais détailler ça par la suite. Et on appelle valeur estimée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit sur ça? Hein? Sur une pratique solennaire? Et comment ça?
Ah, bien une chauffe comment? Ah, je l'ai fait dessus, quand même. Là, j'ai pris les mains avec ça. Bon. Alors, valeur estimée, c'est la valeur de la variable aléatoire. Alors, c'est bon. Quand on utilise les paramètres de tendance. De tendance centrale. C'est maintenant qu'on va commencer. Alors, maintenant, on va commencer à utiliser les paramètres de tendance centrale. On va commencer par l'expérience mathématique. Et l'expérience mathématique, c'est une moyenne. Ça va être là, il y a des questions. C'est cool, mais ça ne va pas être. Bien. Alors, Frédéric, c'est ce que tu peux avoir, oui. Ah, il a quand même fait un jeune de mon collège. Alors, expérience mathématique d'une moyenne. Alors, expérience mathématique d'une moyenne. La moyenne d'échantillon est un estimateur fonctionnel de la moyenne de la population à laquelle il appartient. C'est-à-dire E de x bar est égal à 1. C'est difficile de travailler dans des conditions pareilles. Bref. Vous êtes là pour que je m'assure, est-ce que le message est passé ou pas. Parce qu'à partir de vos camarades qui sont loin, moi, j'arrive pas. Alors, ça me fait. À deux paragraphes, votre camarade a demandé comment on va utiliser les paramètres de tendance centrale. C'est maintenant. Alors, ce paragraphe, il s'appelle « Espérance mathématique d'une moyenne ». Ça veut dire quoi, « Espérance mathématique d'une moyenne » Parce qu'il dit de tout le monde, on n'a même pas avec quoi travailler. Donc, je veux effacer le tableau. Avec quoi je vais effacer. Mais alors, espérance mathématique d'une moyenne. On va traduire ça. Ça veut dire quoi, espérance mathématique d'une moyenne. Il y a quelqu'un de l'extérieur qui se met ce diapo. Les variables. C'est sûr, les signes sur le tableau. Donc, il passe sur un écran. Espérance mathématique d'une moyenne.
Qu'est-ce que c'est qu'une espérance mathématique? Si on retrouve mal l'espérance mathématique, comment on l'appelle en statistique, l'espérance mathématique? C'est quoi une espérance mathématique? C'est une moyenne. Comme ça, comme on l'a là. X bar, ou tu m'acceptes de X. Donc, ça, c'est une moyenne. Alors, traduisez. Ça veut dire quoi, espérance mathématique d'une moyenne? Ça veut dire que c'est la moyenne d'une moyenne. Clair? On va calculer la moyenne d'une moyenne. Et là, on nous dit que le théorème dit, on va le détailler, que la moyenne d'échantillon est un estimateur sommier de la moyenne de la population à laquelle il appartient. C'est-à-dire, que le x est égal à 1. كتشوفوا لا سوري ديالي تما ولا ملي كنحرك انا لا سوري في ليكرو وي باسكو جو فور مونتري كلكو شو شوف شوف جو فوي لا سوري ها لا سوري ما كتبانش هلا افيشي لي كوموند افيشي هلا là-bas, qui va? Ah, c'est bon. Alors, regardez la main. J'ai E de X bar est égal à mu. Comment cette formule? D'abord, il faut comprendre que, il faut savoir que lorsque vous avez un paramètre qui n'est pas. On dit en bas la lettre X, ça veut dire que ce paramètre, donc, c'est calculé sur la population. Et si jamais vous avez une lettre où vous avez, la lettre X, ça veut dire que c'est calculé sur l'échantillon. Alors, comment on va lire cette formule-là? E de X bar est égal à mu. Qu'est-ce que c'est que E de X bar? C'est l'espérance mathématique. Mais du moment qu'il y a X bar, ça veut dire qu'elle est calculée sur l'échantillon. Donc, ça c'est la moyenne calculée sur l'échantillon. Est égal à mu. Qu'est-ce que c'est que mu? C'est la moyenne calculée sur la population. Alors, le théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la moyenne calculée sur l'échantillon est égale à la moyenne calculée sur la population. Claire l'idée? Alors, même un sondier. Sondier, ça veut dire que je peux passer de l'échantillon à la population sans correction. Là, est égal directement. Alors, moi, je vais vous montrer une formule qui est biaisée, qui n'est pas sondier. Pareil, celle-là. La variance sur l'échantillon, vous voyez la main, oui. La variance sur l'échantillon est égale à la variance sur la population, mais divisée par n. Alors, il n'est pas sans biais. Alors, il est biaisé. Il faut un coefficient correcteur. La variance sur l'échantillon n'est pas égale à la variance sur la population. Oui ou non? Parce qu'il faut la diviser par n. Par contre, non, j'ai la moyenne sur l'échantillon est égale à la moyenne sur la population. Donc, il y a égalité entre les deux. On dit que c'est un estimateur sans biais. Je peux passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Vous savez? Alors, on va le vérifier. On va le vérifier sur le tableau. Parce qu'il y a le nouveau tableau. Là. Alors, on va passer au tableau. C'est là, Niak. Non, pas là. Bien là. Hein? Voilà. Bien. Je trouve que ça. Alors. Allez,
Là, ce n'est qu'un exemple, attention. Pour vérifier, on ne va pas démontrer, pour vérifier l'auteur. Oui. Maintenant, on va prendre une population qui est faite de quatre éléments. Vous voyez bien, là, on ne peut pas avoir une population de quatre éléments. 4, 5, 6 et 8. Une vraie population qui peut nous faire des milliers. Alors, un exemple, miniaturisé, pour comprendre. Donc, voici la population. De cette population, on va extraire tous les échantillons de taille 2. C'est-à-dire les échantillons qui contiennent deux éléments. Et avec remise. On veut le faire à un chose maintenant, le tirer avec remise. Alors, puisque je vais tirer ça avec remise, je vais avoir combien d'échantillons? Alors, ça, on l'a fait en probabilité. Quel est le nombre de cas possible? Je veux des échantillons avec deux éléments à partir d'une population de 4. Donc 2 à la puissance 4, ça sera 16. Je vais avoir 16 échantillons. Lesquels? Ce sera 4. 4. 4. 5. 4. 6. Et 4. 8. Après, je vais avoir 5, 4, 5, 5, 5, 6, et finalement 5, 8. Aussi, je vais avoir 6, 4, 6, 5, 6, 6, et 6, 8. Enfin, ce sera 8, 4, 8, 5, 8, 6, et 8, 8. Justement? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la moyenne de cet échantillon. Quelle est la moyenne de 4 et 4? C'est bon, on va calculer la moyenne. Quelle est la moyenne de 4 et 4? C'est 4. 4 plus 4 divisé par 2. C'est 4. Quelle est la moyenne de 4 et 5? C'est 4 et demi. Quelle est la moyenne de 4 et 6? 5. Quelle est la moyenne de 4 et 8? 6. 5 et 4? 4 et 8. 5 et 5? 5. 5 et 6? 5 et 8. 5 et 8? 13. 6 et demi. 6 et 4? 5. 6 et 5? 5 et demi. 6 et 6? 6. 6 et 8? 7. 8 et 4? 6. 8 et 5? 6 et demi. 8 et 6, 7. 8 et 8, 8. Claire? Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça, nous avons défini une variable aléatoire, que voici. Il y a une variable aléatoire qui va de l'ensemble des échantillons de taille 2 à valeur dans R, tel que, à chaque couple, j'associe la moyenne. D'accord? La moyenne. D'abord, je vais résumer ça dans un tableau comme on l'a fait en cours de probabilité. Alors, un des x est égal à xi, quelles sont les valeurs de cette variable aléatoire? On va donner les valeurs de la variable aléatoire. Alors, quelle est la plus petite? 4. Après, snookain. Okay, 4,5. Après 4,5, snookain. 5. Après 5. 5,5. Après 5,5. 6. Après 6. 6,5. Après 6,5. 7. Après 7. 8. N'est-ce pas? D'abord, je vais calculer la loi de probabilité. P de x est égal à xi. La loi de probabilité. Alors, une probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. N'est-ce pas? Vous avez, quel est le nombre de cas possibles à NNR? C'est 16. Il y a 16 valeurs. Donc, toutes les probabilités seront divisées par 16. C'est le nombre de cas possibles. Oui ou non? D'abord, le nombre de cas possibles. Vous avez vu combien de fois la valeur 4 apparaît? Une seule fois. Donc, c'est 1 sur 16. C'est ça la probabilité. Quelle est la probabilité de voir apparaître la moyenne 4? C'est 1 sur 16. Quelle est la probabilité de voir apparaître 4,5? 2 sur 16. 5? 2?
À 3. Allez, à 3. 3 sur 7. 5 et demi. 2. 2. 6. Là, tu as ça. 6 et demi. 2. 7. 2. Oui. 1. Maintenant, à chaque étude de la somme des probabilités, 1. Alors, dévolue à la somme. 1 plus 2, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 16. Donc, c'est 16 sur 16, il y a 1. Elle dit la loi de probabilité. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'espérance mathématique. L'espérance mathématique. À quoi est égale l'espérance mathématique? E de x. L'espérance mathématique est égale à sigma dLPI xi. Oui ou non? Donc, je vais multiplier la probabilité par la valeur. Elle dit PI ou elle dit xi. Ça, 4 sur 4 fois 1 sur 16. 4 sur 4 sur 16. Ou elle dit 9 sur 16. Oui ou non? 2 fois 4,5. 15 sur 16. Ou elle dit 11 sur 16. Même si je me trompe là. 18 sur 16. 13 sur 16. 14 sur 16. 8 sur 16. Bah, prenez votre machine, s'il vous plaît. Vous déroulez à la somme d'IL 4 plus 9 plus 15 plus 11, 18, 13, 14, 8. Pour le libre d'Ashel. Ouais, donc on va le diviser par 16 pour calculer l'espérance. Voilà. Ah, vas-y. 13 sur 16. 18. Parce que c'est 3 fois 6. 18 sur 16. Est-ce que j'écrivais là? Hein? لا كل ما تقسم لو توتال شحال كان سوسون دي سات سوغ ساز كاتروفان ديس السوم ديال هادشي كامل كاتروفان ديس سي سا سي با سوغ دوما فات لي كالكول سيغ بلي فيريفيي Hein? 12. 95. Ou 95 divisé par 16, chaque est seul. Voilà. EX, c'est 92 sur 16, qui est égal à 5,75. Ça fait. D'abord, posez les stylos, regardez au tableau. Alors, sur vous, qu'est-ce que nous avons fait? On a défini la population. On a extrait 16 échantillons. De les tâches que nous avons accomplies. On a calculé la moyenne de chaque échantillon. On a défini notre variable aléatoire et on a défini la loi de probabilité à partir de ce que nous avions. Et on a calculé l'espérance mathématique. Et on a trouvé 5,75. Oui, on a fait beaucoup de choses pour arriver à 5,75. Ça, ceci, nous l'avons fait sur l'échantillon. Sauf qu'il y a un fond d'un. Qui fait ce? Hein? C'est bon.
Pas d'arrière. D'abord, on va oublier tout ça. Moselle. On va oublier tout ça. Sur le travail Kemel. Hal de Bielwa. On dit, monsieur, la population. J'ai fait à 4, 5, 6, 8. Et je vais vous demander de calculer la moyenne de 4, 5, 6, 8. La moyenne de la population. Chacun fait la moyenne. 4 plus 5 plus 6 plus 8. Sur 4. Bien. Ouais. Mais c'est la moyenne sur la population. Elle est égale à 4 plus 5 plus 6 plus 8 sur 4. Et c'est égal à combien? À 5. 75. Regardez. Baraka, posez les cibles. Il y a un cas sur les calculs. Non, on n'est pas là pour faire des calculs. C'est pour les idées. Ou Akhtar Haja, c'est plus facile. Non, c'est pas plus facile. Parce que sinon, est-ce qu'on a un carré ou un CNE? Donc, d'abord, la remarque. C'est quoi la remarque? C'est, j'ai vérifié le théorème. Ce que j'ai trouvé à partir des échantillons, je trouve exactement la même chose sur la population. Donc j'ai vérifié que NRI c'est égal à mu. Le théorème dit non. Oui, c'est vérifié. D'abord, c'est facile ou là, c'est pas facile avec mon rapport. Des fois, je crois que les apparences sont trompeuses. إذا كانت هذه سهلة علاش حنا كنقراو هذا الشيء اللي هو بارلي دو لاسونسور كنعرفو لاسونسور مزيان علاش هو لاسونسور الوغ اون فوا اون ا كريي ان برودوي كون ا ابلي اسونسور لا بروميير فوا كون ا فولو لوتيليزي باه يفو بعدا لو فيريفي جيسكي مارش با الوغ جوج الناس جاو وقفو في الباب ديال العمارة qui tourne, il y a les escaliers, il y a l'ascenseur, oui ou non? Il y a les escaliers, il y a l'ascenseur, qui est deux produits. Si vous prenez les escaliers, vous allez arriver à un étage déterminé, si vous prenez l'ascenseur, vous allez arriver au même étage, oui ou non? D'abord, on va parler de la durée. Donc, on va vérifier maintenant pour le premier étage. Premier étage. Sur le premier étage, il y a l'ascenseur, vous appuyez sur le bouton pour appeler l'ascenseur. Pour qu'il reste une suite à diriger. Ou après, la porte s'ouvre et vous rentrez et la porte se ferme. Des étapes. Ou bien la porte se ferme et vous choisissez les cages. Ou bien il monte. Ou il s'arrête. Et la porte s'ouvre et vous sortez. Oui. Ben, si vous prenez les escaliers, et l'ascenseur, ben les escaliers, si vous allez au premier étage, si vous prenez les escaliers, vous allez arriver plus vite que si vous prenez l'ascenseur. Oui ou non? Mais le premier étage, il n'y a pas beaucoup d'escaliers. Quand on est au dixième étage, soyez sûr que c'est l'ascenseur. Elle a la méthode directe, elle a la population. C'était beaucoup plus rapide, la population. Elles avaient une moyenne, il y a quatre éléments. Mais rien lorsqu'on va travailler sur, dans une entreprise qui va fabriquer des ordinateurs, des ampoules, la population va toucher à des éléments. C'est l'exemple de l'ascenseur ou là. Donc, le premier étage, rien du premier étage. Qui vient dire, elles ont les escaliers, ils sont beaucoup plus faciles, la méthode directe est beaucoup plus facile que l'ascenseur. Mais lorsque la population va devenir grande, alors là, il faut prendre l'ascenseur. L'échantillon, elle est beaucoup plus rapide et moins cher, mais qui est un peu moins pris. C'est un peu l'exemple qui vient d'abord, là. Ça, qui vient dit, quand on est au loin, Ammar notre tableau, on a rempli tout le tableau pour qu'à la fin, je calcule la moyenne au point de 2 secondes. C'est le premier étage. C'était uniquement pour vérifier la formule que vous aviez sur le cours. E de x bar est égal à mu. On a trouvé là la même valeur. C'était lent. C'est très rapide. Mais lorsque la population va devenir grande, c'est
c'est que vaut mieux faire un échantillonnage, ça sera beaucoup plus rapide, moins cher et moins de temps. On pratique là, on est là. Voilà. Bon. Alors, la séance prochaine, le jeudi, on va faire les séances mathématiques d'une proportion. Et vos camarades, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Qu'est-ce de ça de la séance? Il y a la tour les gars. Ou là, je vais finir par le micro, sinon qui est là. Comment faire? Allez, vas-y. Si ça a qu'il est là. Activer, signaler un problème, paramètre de la pression, partager l'audio. Alors, je vais partager l'audio. Les étudiants, parlez. Monsieur? Monsieur? Je donne une chance aux étudiants de parler. Dites-moi quelque chose à Snapcom avant de que je. Monsieur, pour les polycopier. C'est la séance dans YouTube, c'est mieux. Quelle est YouTube, ma conférence? Si elle a atteint les états, me dit YouTube. Hader, monsieur, ne veux pas. Avec Louisa, elle a réfléchi. Elle fait la caméra, mais elle a dit que tout le monde s'est fait pour lire, me savoir une facade. Non, elle dit que monsieur, elle a. Non. Tableau interactif. Marqueur. Avec tableau qui est en train de se faire, avec ce tactile. Non, c'est bon. Avec Louisa, il y a une vidéo. Je pense que tu vois le logo de Louisa. Oui. Le cours, je l'ai déjà fait. Professeur. C'est moi ça. Ça fait tout le monde. Monsieur. Monsieur, on a Monsieur, c'est bon, allez, ajoute.
واش البروف سال ولا باقي؟ واه سالا واقي لا مشى مشى كاع دابا عندنا في الصوم بالبرو ساعات حتى الغدا حتى الغدا ماشي راه واش باقي ولا لا؟ لا راه عندنا دابا انفوغيتور البروف سالا عافاكم شكون يعرف هذا لاندخو ديال الدغوا في كدير الكور ما كيطلعش ليا عليه في لونسومبل كاب نعرف ما نعرفش Thank you.
غنديرو مع بروندير.